et vous remercie d'être venus si nombreux pour cette soirée qui va être assez musette. Et nous allons déguster la soupe au pistou, faite maison. Je vous donnerai de plus amples précisions un petit peu plus tard. En attendant, pendant que l'apéro va vous être servi, nous avons la chance d'avoir parmi nous une personne qui est allée à l'école ici, qui a fait ses armes, on va dire, scolaires à l'Escarène, et puis qui aussi est peintre, en fait, s'occupe de pas mal de choses, et il chante. Donc j'aimerais qu'on applaudisse, et ils vont faire passer un petit moment avec quelques chansons. C'est monsieur Alain Bideau. Merci. Ah, je mets l'ambiance, hein. Un gentleman, un peu noir, a une poule dans un bar. Offre champagne et caviar, et entre-ouvre sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait: poupée, si je claque, je veux que ça soit dans un lac. Un lac de cognac, écoute-moi bien, la lettre en plan, écoute-moi bien, était en plan, je n'avais pas encore dedans. Et dans ce papier pour m'approcher, regarde-moi bien, qu'est-ce que tu en penses? Regarde-moi bien, j'ai pas la rance. Il fallait pas des gants, danser le charleston quand j'avais 30 ans, à Calcutta. Wow! Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans les bars. Gentleman dans son frac a dit: caniste, voilà du sac. Joue quelques airs sans entracte. Et joue. Allez, joue-moi en vrac là, des vieux airs. Voilà, titine, c'est ça. Titine, oh, titine. Moi, ma titine à moi, c'est Guillemette. Elle nous vient du Schnorr. Vous connaissez pas le Schnorr, hein? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Le Schnorr, c'est là où on mange des chicons. Là où on passe la wassaigne. Ah, ça, c'est le Schnorr. Et il est ch'ti. Eh oui. Cette chanson est dédiée à Philippe Clé. Eh oui, c'est lui qui l'a interprété avant moi-même, bien sûr. Hommage à toi, Philippe. Eh, pianiste, on s'endort là, qu'on prenne de son roi. C'est pas un slow ni un tango, c'est un charleston. Écoute-moi bien. Garde la cadence, écoute-moi bien, et parance. Il fallait pas les voir danser le charleston quand j'avais 30 ans, à Cano Canton, oui. Wow. Alors, cette chanson est un hommage à Philippe Clé, vous l'avez compris. Hein. Alors, est-ce qu'il y a les gendarmes là, coquette de sort? Il n'y a pas de gendarmes là? Allez, un hommage à la gendarmerie qui assure notre sécurité.
l'amour c'est pas tout. Il faut aussi de la sagacité. C'est pas tout, mais c'est pas tout. Car il doit t'avoir. Et surtout, c'est de la tactique. De la tactique, de la pratique. Comme la montre à son tic-tac. Le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme. C'est de bien observer, ça s'était remarqué. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des roues. Contre invention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Pour courir derrière tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent que les gendarmes, lorsque l'on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Moi je réponds du tac au tac, car pensez que ma tactique, attendez un peu. Que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace avec le bonasse. Contre invention, allez, allez, pas plus du front, allez, allez, exécution, allez, allez. Connais le métier. La tactique du gendarme, c'est d'être postana, à cheval sur le règlement. Monsieur le maire, vous avez brûlé un stop là-bas, à la rue Saint-Sébastien. Ouais, monsieur le maire, je vous ai vu. Allez, super, moi. Retrait du permis. On rigole plus dans la gendarmerie, là. Hein, pas qu'elle de ça. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité.